Mesdames et messieurs, au décollage, la compagnie iFly en Airbus A380. A380 avec ses 4 très silencieux réacteurs Rolls-Royce Trent 900 qui délivrent 144 tonnes de poussée, c'est-à-dire 36 tonnes par moteur. Des dimensions imposantes. Un exemple, la gouverne de profondeur a la même taille que l'envergure d'un Airbus A320. Ça vous montre combien cet avion est immense. Une masse maximale au décollage de 575 tonnes, 73 mètres de long, 80 mètres d'envergure et une utilisation de commandes de vols électriques appelées fly-by-wire, eh bien l'Airbus A380 est aussi manœuvrant qu'un Airbus A320 plus petit. Je dirais même plus, c'est qu'on commande cet avion quand vous êtes pilote d'aéroclub et que vous voulez faire un virage à gauche ou à droite, l'avion répond de la même manière qu'un avion d'aéroclub. Et tout cela grâce à l'ingéniosité des ingénieurs de chez Airbus. Spectaculaire, regardez, il est peint des deux côtés. D'un côté en bleu foncé, ça affiche les coraux qui sont détruits et ça contraste forcément avec l'autre côté qui est bleu clair et qui représente un océan immaculé avec une vie marine colorée et saine. Une grande cause exige une grande réponse et maintenant le plus grand avion commercial sur la planète porte ce grand message. Eh bien, lorsque on regarde les performances aujourd'hui des avionneurs qui sont des gens intelligents qui ont compris qu'il faut faire quelque chose et tout le monde rivalise justement de l'ingéniosité pour réduire et cet avion c'est 75 grammes de CO2 par kilomètre passager, c'est beaucoup moins qu'une voiture. Une grande cause qui exige une grande réponse, c'est maintenant le plus grand avion commercial traîne ce message autour du monde. À cette initiative, iFly sensibilise à cette campagne sans précédent de lutte contre la destruction des récifs coralliens et bien évidemment, il faut protéger les écosystèmes. iFly est une compagnie aérienne européenne. Elle est spécialisée dans la location d'avions à grande échelle et puis pour d'autres compagnies aériennes et voire également de gouvernement. Tout ça sur une base mondiale.
passage sur la piste 25.